Et bienvenue à tous dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui nous allons nous atteler à commenter la bataille de la France du Nord, qui va donc opposer deux armées françaises et une armée anglaise à trois armées allemandes. Sachez que également du côté allié, deux des joueurs ne sont pas titulaires, on n'est que les Français et les Anglais ne sont pas là. Du côté Axe, seul Tomoyuki Yamashita n'est pas un Allemand, mais là nous sommes obligés étant donné que les deux titulaires allemands sont ici. Nous allons donc lancer la visualisation de cette bataille qui dure 22 minutes et qui est sur la carte centre de gravité. On va donc opposer deux armées françaises et une armée anglaise, dont une armée française blindée, il me semble, si je dis pas de bêtises, à trois armées allemandes, dont une armée ici présente blindée. Nous allons donc accélérer un peu histoire de voir les plans de chacun. Hop, on va passer du côté axe. Deux aérodromes de la part d'un Allemand, ça peut être coûteux parce que c'est quand même 50 l'aérodrome. Et un dépôt, ça reste une technique classique, alors qu'ici on a une caserne, une base de blindés et deux dépôts. Ici trois dépôts de la part de l'Allemand, ainsi que une base de blindés et une caserne très avancée de ce côté-ci. Du côté allié, on a une base de blindés ici et une base d'artillerie et DCA. Trois dépôts ici, trois dépôts et un aérodrome de ce côté-ci. Peut-être une erreur de la part de l'anglais de ce côté-ci. Anglais qui n'a également pas mis de camouflage, ce qui est très très dangereux. Alors qu'on a déjà des avions alliés qui volent. Des ME 109, que même j'appellerai des Bf 109. Oh là là! Et destruction de la base de blindés française ici de ce côté qui va lui porter un coup dur, surtout pour son développement. Alors qu'ici on voit déjà les camions de ce côté-ci et les bases de blindés qui ont disparu d'ailleurs. Où sont-elles? Ici. Elles ont été avancées, donc c'est une technique de rush sur le côté. Joueurs français ici qui ont l'air un peu décontenancés. On n'a pas l'impression de partir sur la défense. On sait pas trop ce qu'ils font. Ici on a des Spitfire qui sortent. Alors le problème du Spitfire, c'est que c'est un avion qui demande 50 à la recherche. Et donc du coup, ça peut être problématique. Puisque en face on a des des ME109, je sais pas pourquoi ils appellent ça des ME109, c'est des BF109 qui sont recherchables dès le début en fait. Enfin qui sont déployés dès le début, qui ont 3 d'attaque, qui coûtent 25. Alors que les Spits, bon les Spits ont au cas d'attaque, certes, mais il faut faire une recherche de 50. Donc là où vous avez fait une recherche de 50, l'ennemi a déjà sorti 2 avions, ce qui est moyen. Mais c'est la seule moyen de sortir des chasseurs, sinon vous ne sortirez que des Hurricanes qui sont très moyens. Oula, alors qu'ici on a un assaut blindé de la part de l'Allemand, blindé d'ailleurs, soutenu par l'aviation également de ce côté-ci, et des casernes et bases de blindés construites de ce côté-là. Je pense que c'est une bataille perdue pour les alliés déjà, à part s'ils s'en rendent compte. Là on est parti sur du full aérien. Qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Monsieur, une base de blindés. Des positions fortifiées, d'accord. Très bonne idée. Hein. Et voilà, l'assaut allemand qui va tout détruire. Destruction de l'avant-poste qui ne sert à rien contre les blindés. Et de l'aérodrome. Ah non, il ne tire pas sur l'aérodrome. Alors qu'ici on a également des tanks qui sortent. Ouais, faut faire attention aux erreurs là les amis. Ici on a de l'infanterie qui sort sûrement pour prendre les bâtiments. Alors ici on a déjà du blindé qui sort. Je vérifie qu'il n'y ait pas de bêtises. Et c'est bon, on dirait qu'on est sur du 10 blindés. 8 et 2, ouais c'est 10. Alors que de ce côté-ci, on sort du B1 bis, très bonne idée contre du Panzer 3. Mais il n'a toujours pas vu l'offensive Panzer de ce côté-ci qui va l'anéantir, je pense. Il est déjà sur la limite de ses chars lourds à 5 B1 bis. Armée Panzer qui va arriver au contact et destruction du bâtiment. Ça va être un coup dur pour les Français. Destruction de 3-4 bâtiments. Gros coup dur pour les Français. Mais réaction rapide. Alors qu'on a l'anglais qui s'est rendu. Support aérien qui est mort. Sachez que les Français ont également les D520 qui sont de très bons avions. Mais qui nécessitent également une recherche. Sinon vous avez les MS406 qui sont plutôt moyens on va dire. Alors qu'ici ça part sur du Mangino et du S35 plus du B1 bis. Char lourd. Et ici une SDKFZ qui va tenter de détruire les entières. Mais qui est arrivé à portée de la position fortifiée, ce qui a sauvé ce petit camel. Et ici on part sur du full défense alors que du côté aviation on a déjà du HE-111 de ce côté-ci qui pourrait détruire les bunkers. Et du côté-ci on a 6 Panzers. Les Français qui semblent complètement décontenancés, ils ne savent plus trop quoi faire. Ouh, embuscade de ce côté-ci de la part des Allemands, très bien joué. Et avec un support aérien, malheureusement les alliés sont en sous-nombre maintenant, dominés totalement. Vous voyez que l'axe contrôle toute la carte ici. Destruction, et il va sûrement prendre la base de blindés. Voilà, prise de la base de blindés de la part de l'Allemand blindé en plus. Ça va être un échec rapide. Nous en sommes à la moitié du temps. Rapide. Alors on va avancer hein, mais parce que là globalement on est sur une offensive, on a de l'artillerie ici qui sort pour essayer de détruire les bunkers. Bon, combien d'artillerie ? 5 hobbits. Et vous voyez qu'on a beaucoup de bombardiers de ce côté-ci qui vont anéantir les bunkers. Hop, 2 bunkers anéantis, un troisième détruit. Et la force française aérienne a été réduite à néant. En sachant que vous en plus vous avez des recours aériennes de ce côté-ci. Ici les blindés n'osent pas avancer, ils doivent savoir qu'il y a un ennemi. Et ici c'est un carnage pour l'armée française qui se fait détruire, mais vraiment détruire. Sachez que un seul joueur titulaire il est ici. Hein. C'est un problème que nous avons eu du côté allié, c'est que les joueurs titulaires n'ont pas daigné venir faire les batailles. Donc du coup, on est affaibli sur un point où les joueurs ne savent pas super bien jouer les nations qu'ils ont pris, étant donné qu'ils ne sont pas titulaires de base. Enfin bon, c'est une défaite de l'armée alliée clairement. Alors qu'ici vous voyez qu'on a les HE-111 qui vont venir détruire ici les bâtiments. Et qui harcèlent également les positions blindées de la part du français. Français qui a toujours 2 dépôts, faut le noter. Et qui sort de l'artillerie pour détruire la base de blindés de ce côté-ci. Français qui est toujours motivé à se battre on dirait. Bon, il aura eu au moins le mérite de détruire cette base de blindés. Alors qu'ici vous voyez que les Panzer 3 se font défoncer. Mais il y en a tellement qu'au final... c'est suffisant pour détruire le bunker Maginot. Et ici, oh, du bien bis de la part du deuxième français qui commence à sortir du char. Et ici, vous voyez qu'il y a les Panzer 3 qui sont mis en position. Et artillerie française détruite de ce côté-ci. Et les B1, pauvres petits B1 bis qui se font laminer. La Luftwaffe allemande étant immonde. Alors, vous voyez que les Panzer 3 ont vraiment du mal à détruire les BM-10. Ce qui fait que les BM-10 meurent, c'est juste le support aérien qui est hyper puissant. Alors que du coup, de ce côté-ci, on a une entorse aux règles. Mais bon, c'est un échec, tout le monde se rend et c'est fini. Victoire de l'Axe qui prend le contrôle de la France Nord. Ce qui n'est pas rien. Mais il reste encore la France Sud avant de faire capituler la France et permettre aux alliés, aux forces de l'Axe de faire la France de Vichy ou non. Donc... Que dire de plus? Je vous remercie d'avoir suivi, voilà, déjà. Je vous remercie d'avoir suivi cette bataille. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle bataille.